ici, comme dans beaucoup d'autres lieux, je travaille toujours sur le site lié à l'architecture, à la réalité architecturale de ce bâtiment. Donc j'ai choisi de travailler, de faire une proposition à l'intérieur de cette hall d'entrée qui me paraît et que je pense que c'est vraiment le lieu extraordinaire de tout ce bâtiment. Même si le bâtiment, je le trouve bien de tous les côtés, mais c'est rare de voir un hall généreux, lumineux, avec un espace si convivial et si intéressant au niveau des percées, du sol, du rez-de-chaussée jusqu'au dernier étage. Que je définis ma forme, après je dois la projeter dans l'espace. Je travaille avec un projecteur, des fois il est grand, des fois il est moyen, des fois il est petit, ça dépend de la grandeur de l'espace. Je envoie ma forme dans l'espace et je dessine sur l'espace son parcours. Toutes les surfaces que je touche sont marquées, sont dessinées. Et puis après, dans la journée, on masque tout ça avec du masking tape et puis après on passe à la peinture, on remplit. Die Entstehung des Werkes hervorragend nachverfolgen, da mein Büro direkt hier im Atrium angrenzt. Und es war sehr interessant zu sehen, wie von einem Konzept dann über das Anzeichnen und Vorzeichnen auf den Wänden dann wirklich nach und nach mit der Farbe dann das Kunstwerk entstanden ist. Das Konzept hat mich von Beginn an begeistert, weil wir viele einzelne Bausteine haben, die sich zu einem großen Ganzen zusammenfügen, es aber im Erdgeschoss nur einen Punkt gibt, an dem wir das gemeinsame Bild dieses Kunstwerkes erkennen können. Das Endresultat lässt extrem viel Interpretation zu, was äußerst positiv ist. So jede Empfindung von jedem Menschen ist, glaube ich, da völlig, völlig anders. Ich habe unterschiedlichste Interpretationen dazu gehört. Ich selber habe mich dabei ertappt, dass ich dabei eher an Bienenwaben oder an Basaltsäulen denke, also an diese geometrischen Formen in der Natur. Le spectateur est acteur. Il n'est pas seulement un spectateur, il est acteur parce que selon ses mouvements, selon ses déplacements, il fait vivre l'œuvre d'une manière imprévisible même pour moi.